C'est qui a une amie qu'on appelait comme Melina. C'est comme Melina. Like ça, c'est comme une camarade de classe. Like a, c'est comme une fille. It's like a girl. C'est qui a un rapport avec ce nom? Melina. Melina, c'était qui? Who is Melina? Dans lui, c'est qui? La camarade de classe. On l'appelle comment? Who is called? Melina. Melina, d'accord. Vous me connaissez quelque part? Do you know me somewhere? C'est votre quantième fois de venir ici. Hein? Depuis. Venez ici depuis. Vos parents sont où? Where are your parents? Il y a qui encore? Who else? Venez. Come. Vous êtes seulement deux ici? Are you only two here? Hein? Appelez-le. Dieu call, bénit votre famille. Dieu veut bénir la famille. God wants to bless this family. Ok. Fine. Et ça c'est votre fille. Ça c'est qui? Your daughter, who is that? Hein? Ça c'est votre dernier. Le papa est où? Where is their father? Il vous a abandonné avec les enfants. With d'accord. Children. Ok. Fine. Et donc le papa est parti. So their father left. Et il vous a laissé. Vous êtes d'où? Hein? Ok. Il y a des choses que je voudrais parler à cette femme. Elle est d'Abomba. Je voudrais lui dire certaines choses. Je peux prier avec vous. On peut prier ensemble. Hein? Ok. La dernière fois que vous avez vu Melina, c'est quand? Ça fait plus de 2 ans. C'était votre camarade de classe? L'école primaire. D'accord. Regardez. Regardez cette famille. Quand vous les regardez, vous voyez quoi? Regardez, maman, ça c'est votre fille. Mais là où je parle, il y a des choses qui ne vont pas avec elle. Vous ne la comprenez pas. Il y a un esprit de têtuesse spécial sur elle. Et puis les garçons. Il y a quelque chose qui s'est passé avec elle. Elle est très têtue, mais n'était pas comme ça. Lorsque l'enfant si était au primaire, elle avait sa camarade de classe qu'on appelait Melina. Et dans sa salle de classe, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose de pas bien qui s'est passé dans sa salle de classe. Avec Melina, c'était vous partagiez tout avec elle. Quand elle apportait à manger, elle vous donnait à manger. Vous aussi, vous lui donniez ce que vous aviez à manger. Donc c'était celle avec qui vous vous entendiez le plus. Il y a quelque chose qui s'est passé que vous ne connaissez pas, que je veux révéler parce que c'est un hôtel dans votre famille. Vous comprenez, maman? C'est un hôtel. L'enfant doit être délivré. Vous deux, il y a des hôtels qu'on doit arranger. Quand elle était à l'école primaire, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a un jeune homme qu'on appelait Salif dans votre classe. C'est un camarade de classe à vous. Hein? Vérité, on l'appelait comment? Salif. Salif. Vérité, on l'appelait comment? Salif. 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 Et quelque chose s'est passé avec Salif parce qu'il n'a pas fini l'année scolaire. Il est tombé malade. Son papa l'amenait, venait souvent l'accompagner à l'école. Il est même mort. Il est mort. D'accord. Son père s'appelait Mahmoud. Et quelque chose s'est passé. Salif est mort à votre place. Oui. Yes. Il avait bagarre avec Messina à cause de moi. Oui. Yes. Oui. Il est mort. He died à votre place. Pourquoi? Place. Parce que Melina, Melina était une jeune fille engagée dans la sorcellerie. Vérité, même le directeur de l'école l'a vu chasser parce qu'elle faisait la sorcellerie. Bien. Jesus. Regardez. Look. Maman, vous connaissez Melina? Donne le micro à Sabin. Zéro, papa. Vous ne la connaissez pas. Zéro. Vous connaissez Salif? Vous connaissez Salif? You know Salif. Vous ne connaissez pas. Je j'ai fait comment pour connaître ça? Dieu. Ok, d'accord. Pas de problème. C'est le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur we pour ça. The Lord. Vous voyez, dans votre salle de classe, Melina a fait beaucoup de dégâts. Est-ce que vous comprenez? Elle a fait beaucoup de dégâts. Elle a pratiqué la sorcellerie. Parce que l'Esprit de Dieu m'a amené dans votre salle de classe. Je suis entré dans la salle de classe. Je suis arrivé à l'école. J'ai vu tout autour des champs. Comme des champs autour de l'école. Les herbes et les champs. Quand je suis entré dans votre salle de classe, je suis arrivé et Dieu m'a montré. Dieu m'a dit, regarde ce que Melina a fait dans cette salle de classe. Et vous, écoutez-moi aujourd'hui. La fille, c'est la Esther de votre famille, l'enfant. Amen. Est-ce que vous comprenez? I tell you the truth. Je peux dire la vérité. C'est la Esther. C'est pour ça que depuis son enfance, le diable cherche à la détruire. Papa ne voulait même pas l'accoucher. Vous ne vouliez pas l'accoucher. Hey, donc j'ai eu l'accident. Le pont d'abord est entré sur mon vagin sorti. Professeur. Pas l'accouchement. Hey.
Jesus. Quel est ce Dieu qu'on sait ici après? Yes. Quelle est cette madame? Madame. Dites la vérité, vous avez causé avec moi. Vous avez raconté ça. Regardez, la jeune fille ici, le diable a combattu depuis le ventre de sa mère. Parce que le diable connaissait son avenir. Dans sa salle de classe, il y a eu beaucoup de dégâts qui se sont passés. L'année où on a chassé Mélina de la salle de classe. Et il y a eu un combat spirituel. En classe, il y avait un garçon qu'on appelait Aboubakar. C'était le chef de classe. C'était votre chef de classe. Elle est dépassée. Zama Udali Guras Men Arros. Brakras Manota Udol Foros Min Aida. Aboubakar est tombé malade. Un temps, il n'est pas venu en classe pendant près de 2 semaines. Et il est revenu en classe. Vous savez ce qui s'est passé? Mélina a voulu le vendre dans la sorcellerie. Et le père d'Aboubakar, qu'on appelle aussi Malam Aboubakar, était sorcier aussi, un marabout. Vérité, c'est ça? Vérité. D'accord. Il a découvert ça. Et il a combattu Mélina dans la sorcellerie. Mais vous, vous êtes aussi tombé malade. Vous êtes resté à la maison pendant 3 jours. C'était un palu. On vous a transporté dans un dispensaire. C'est ça? Vous l'avez amenée dans un dispensaire parce qu'elle était. On a trouvé que c'était un accès palus élevé. Elle a fait 3 jours à l'hôpital. Elle tombait même. Elle tombait. Après le revenu, vous l'avez renvoyée à l'école. C'est l'ange de Dieu qui vous a sauvé, vous. Jesus. Regardez cet enfant. Dieu m'a montré son mariage. Dieu m'a montré la gloire qui vient devant cet enfant. Yes. Maintenant, je veux. Jesus. Professeur. Regardez. Attendez. Zamaros, vous, madame, vous. Leur papa vous a quitté. Vous n'avez pas compris ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Et ça, vous connaissez pourquoi il est parti? Vous ne connaissez pas. Je peux vous révéler. D'accord, je peux vous révéler. Je peux vous dire. Est-ce qu'on peut lui révéler? Madame. Madame. On va lui expliquer ce qui s'est passé. Yes. Vous aviez votre ami, votre meilleur ami, que vous appelez votre soeur, qu'on appelait Christine. Oh Seigneur. Jesus. Oui, papa. Hey. Oh, village. Ah. Et Christine venait à la maison chez vous. Oui, papa. Elle préparait parfois même avec vous. Oui, papa. Vous lui serviez votre nourriture. C'était ma cousine. C'était votre cousine. Oui, papa. Zarita wa inare bres minadros. Kuruza biasmani ro. Prophesy. Jesus. Jesus. Christine vous disait toujours, ah, ton mari est beau, hein? Vraiment, il est gentil, hein? Qui peut me donner aussi un mari comme ça? Elle a fait les gris-gris. La nourriture qu'on servait à votre. La nourriture qu'on servait. Christine avait une soeur qu'on appelait Ada. Hein? Elle avait une soeur qu'on appelait Ada. Ada, c'est aussi votre cousine. Oui, papa. Ada est où maintenant? Elle est morte. On l'appelait comment? Ada. On l'appelait comment? Ada. Regardez. Look. Ton plus grand ennemi parfois peut venir de ta famille. Je n'accuse pas les familles. Mais je raconte ce qui s'est passé avec les noms des personnes pour qu'ils croient que ce que j'ai dit est sérieux. Yes. Vous avez appris que votre, le père de vos enfants sortait avec Christine. On les a même trouvés derrière le mari. On les a trouvés. Tu peux vivre à la maison avec ta soeur, mais elle t'empoisonne petit. Parce qu'elle est jalouse de toi. Elle s'en suivait. Elle a hébergé sa soeur qui était son amie dans sa maison. Mais elle convoitait son mari. Et elle a tout fait avec la complicité de sa grande soeur Ada pour sortir cette femme de son mariage. Et elles ont réussi. Depuis l'enfance des temps petits, j'ai porté la face seule. Seule, papa.
Regardez. L'Esprit de Dieu m'a montré quelque chose. Un jour, voici comment votre mariage s'est gâté. Un jour, Christine est venue vous rendre visite. Elle est venue avec son ami qu'on appelait Philippe. Elle arrive avec Philippe. Elle vous a présenté Philippe. Elle était venue avec la nourriture dans un panier. Elle est venue avec la nourriture. Et c'était le couscous manioc avec le poisson. Et ça trouvait que vous-même, vous aviez préparé le couscous manioc avec les carpes. Elle vous a laissé le panier. C'est même mon goût là. C'est votre goût là. Moi aussi, c'est mon goût là. Vous avez pris la nourriture, vous avez donné au père des enfants. Il a mangé. La nourriture là, elle avait fait le charme que le marabout avait demandé. Elle a mis dedans. Vous-même, vous avez porté ça. C'est vous-même qui avez servi son père de vos enfants. Il a mangé, il vous a chassé. Qui est ton frère? Qui est ta soeur? Qui est ton ami? Est-ce que tu es bien entouré? Maman, vous avez la bouteille d'huile de faveur? Est-ce que vous avez l'huile de faveur? C'est fini? Ok. Qui est votre ami ici? Elle me prête ça, sa bouteille. Qui va prêter? Comme je prie avec vous, je prie pour elle et Dieu la visite. C'est ça, n'est-ce pas? Oui, papa. Je vais vous révéler un secret que vous ne connaissez pas. Vous allez aller demander aux anciens. Dans votre famille, dans votre arbre généalogique, je suis monté, mais je suis arrêté. 1, 2, 3, 4, 4e génération en haut. Et j'ai vu une femme dans votre famille, une arrière-grand-mère qu'on appelait Adiko, qui est morte. Oui, papa. Hein? Oui, papa. Vous avez entendu parler d'elle? Oui, c'est mon père qui nous parlait. Elle vous disait, quoi? Mon père. Il vous disait quoi? Adiko là. Oui, il disait que c'était qui? C'était la grand-mère. Ma grand-mère du côté de mon père. Qu'on l'appelait comment? Adiko. Qu'on l'appelait comment? Adiko. Adiko. Regardez. Cette femme était une femme juste. Qui craignait Dieu. Personne n'a jamais été autant juste dans votre famille devant l'Éternel. Et Dieu m'a dit que son héritage, personne de vous n'a profité de ça. Que je prie pour vous. Afin que la justice de votre arrière-grand-mère, Adiko, puisse être activée dans votre famille. Amen. Je reçois. Maintenant regardez. Quand je mets l'huile sur vous, l'alliance d'Adiko est manifestée. Et Dieu vous bénit. Amen. Dieu va vous restaurer parce que je vous vois vendre. Hein? Je vais faire le commerce. Oui, papa, je vais faire le commerce. Oui, papa. Je peux prophétiser jusqu'à demain matin. Oui, je vous vois faire le commerce. Amen. Grâce manitraus moros inadras praviden. Raknautalso. Je prie, Dieu va bénir votre commerce. Amen. Dieu va vous multiplier. Amen. L'enfance, quand la prophétie s'accomplira, pensez qu'un homme de Dieu vous avait annoncé ça. Amen. Bless you. Je vous bénis. Bless you. Ma fille, my daughter, que le Dieu d'Esther soit ton Dieu. Ce que Satan a voulu faire contre toi est anathème. J'annule cela. Au nom souverain de Jésus. De même que tu as troublé le cœur de ta mère, tu seras une consolation pour elle et pour toute ta famille. Au nom de Jésus. Que toutes ces choses que Dieu m'a montrées sur ta vie soient accomplies. Maintenant que l'huile sainte est sur toi, personne n'arrachera un seul mot de la prophétie que Dieu a pour ta vie. Je te bénis. Sois grande. Au nom de Jésus. Amen. Bless you. Elles ne sont pas acclamées pour cette famille.